De jour comme de nuit, la parade défile dans les rues de Walligator. Ces animations de rue ont vu le jour il y a un an, pour s'adapter à la situation sanitaire. Il se passe ainsi toujours quelque chose dans les allées du parc d'attractions, pour le plus grand bonheur des visiteurs. C'est plutôt sympa, il y a pas mal de choses différentes dans tout le parc, donc c'est plutôt marrant. Ouais. Ils ont fait un bel effort et il y a pas mal d'attractions sympas autour d'Halloween. Ça fait son effet chaque année, mais vu que moi j'ai l'habitude d'être dans des parcs, dans cette ambiance, je perds un peu l'effet effrayant, mais c'est toujours un plaisir de m'y promener. J'ai bien aimé les costumes, bah, les déguisements, les attractions. Il y a des décorations partout. Quand on marche, on jette un coup d'œil à gauche, à droite, et c'est vraiment très très beau et c'est vraiment très bien réussi cette année. J'ai trouvé que c'était super bien décoré et les attractions, c'est super. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le spectacle près des chaises volantes. Parce que j'aime bien quand il met le fil dans la bouche et il tire après. Cet illusionniste, c'est Pablo. Il est venu du sud de l'Espagne pour jouer son spectacle devant le public de Walligator. Une belle opportunité pour lui de faire valoir ses talents avec des anneaux et des cordes dans les mains. That's amazing, and I think here with this show of Halloween, we create a really good and magic atmosphere in this park. Pour relooker Walligator aux couleurs d'Halloween, une quinzaine de saisonniers ont passé 3 semaines à répartir des tonnes de citrouilles et de paille aux 4 coins du parc, avec notamment le retour du labyrinthe de paille. Chaque année, Halloween est un événement incontournable. Il y a 21 ans, quand on a fait la première édition, on n'y croyait pas. On a eu un petit peu de succès, il faisait chaud, il faisait beau. Et puis finalement, ça allait crescendo et ces dernières années, ça a pris une ampleur. Et ça représente 25% du chiffre d'affaires et de la fréquentation. Donc c'est vraiment énorme. On a une quinzaine de saisonniers qui ont passé plus de 3 semaines à travailler sur les décors, sur l'installation. On a également les permanents, essayer de trouver chaque fois des scénettes différentes, trouver quelque chose qui fasse en sorte que ce Halloween soit vraiment unique dans le quart nord-est, soit différent des autres. Cerise sur le gâteau, les visiteurs ont pu apprécier en début de soirée un superbe show pyrotechnique de son et lumière, histoire de finir en apothéose, une journée riche en émotions, et parfois même en frayeurs.